Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Comment allez-vous, mesdames, messieurs, messieurs, mesdames, les mesdames qui sont un peu messieurs, messieurs qui sont comptelles, dames, frères et sœurs du Québec, de la belle province, bienvenue chez l'immigrant très québécois. Un show très spécial. Aujourd'hui, on discute la canicule. On a de la canicule au Québec. Qu'est-ce que c'est la canicule? Puis d'où vient ce mot-là? Il a l'air un peu latin, en passant par l'Italie, peut-être il a connu chez l'Espagne, peut-être ça s'assimilait un peu à l'Allemagne. Canicule, Canicule. Faites-moi de quoi, faites-moi du bien, faites-moi plaisir, puis regardez dans le Becherel si c'est un verbe. Moi, je m'en souviens pas. Anyways, c'est un topic très sérieux là. Attendez une seconde. C'est là. Non, je vais pas oublier ça. Depuis le matin, tu me demandes si je vais aller à la belle province. Le matin, tu me demandes. L'après-midi. Puis là, le soir, là, je vais pas. Pas faim. De quoi? Demain matin pour le déjeuner, mais. Hey, écoute, là, la même affaire, là, chaque matin, là, tu veux aller chez à Belle Province, puis tu demandes la même affaire. Peut-être vendredi, salut. Salut, là. Un cas très spécial. Comme vous allez voir, vous avez vu dans le passé, dans le futur, vous allez voir. Dans mon neighborhood, dans mon quartier, à Montréal, sur l'île de Montréal, j'ai des particuliers. Des cas très spéciaux. J'ai mis des mesdames, des messieurs, un petit peu des deux, puis passeurs, puis tout ça. Ils sont bien joyeux, ils sont bien rainbow, ils sont bien arc-en-ciel, je les aime. Mais des fois, là, ils me taquinent, ils me tapent sur les lèvres, j'ai envie juste puis là, je tourne là, je regarde un peu du sport, puis je fais une couple de push-ups, puis ça passe. Mais bon. Tout en disant, là, ce qu'ils me demandent, là, Patrick. Chaque fois que je le vois, il me demande, tu veux-tu aller à Belle Province? Je le vois le matin, il me dit, tu veux-tu aller manger à Belle Province? Si je dis non, l'après-midi, si je le vois, il me demande si je veux aller manger où? À la Belle Province. Le soir, si je le vois, comme je viens de le voir, Patrick, il me demande, tu veux-tu aller manger à Belle Province? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il commande chez la Belle Province? La même chose, une grosse poutine. Commande rien pour toi. Une grosse poutine, c'est tout. Pas de hot dog ou whatever, des chicken wings, des ailes de poulet, des choses comme ça, les commandes une grosse poutine. Chaque fois, c'est la même chose. Je travaille avec lui plein de fois. Le déjeuner, demande une poutine. Demande une poutine pour le déjeuner. T'es-tu sérieux? Demande une poutine pour le déjeuner. T'as bien des déjeuners qui sont bons au prix abordable. T'as le Québécois, la Québécoise, le déjeuner, là, le Québécois, la Québécoise, là, il y a un bon déjeuner, mais une poutine. L'après-midi, poutine. Le soir, poutine. Belle province. Pourquoi tu veux aller à Belle province pour commander une poutine? Tu peux aller n'importe où. C'est des fois. La canicule, mesdames et messieurs, je vous invite à rester hydratés. On a déjà cassé des records. Des RSCORDS. Pas RDS, le réseau du sport, là. Pas ça, là, des records de chaleur. Écoutez, c'est sérieux, là. Il faut que vous y restiez hydratés. Puis moi, j'ai un show spécial avec vous, le show, ça s'appelle Restez Hydro. Puis Hydro-Québec sont bien mieux de pas augmenter trop l'électricité, là, parce que ça va aller mal. Ça va aller mal en tabarnak. Les étudiants, on va les pousser pour qu'ils sortent dans la rue encore, avec des feux d'artifice, puis bien des choses créatives, qui dansent, qui font whatever, là. Anyways. Non, non. La canicule, il faut rester hydraté. Okay? Se hydrater. C'est un verbe que vous devrez le rester le matin, l'après-midi, puis le soir. Puis si vous travaillez de nuit, comme moi j'ai travaillé bien des années de nuit, là, c'était tard, de nuit, c'est arrivé le matin, tu vois pas le soleil, ben des années, hein, 7 ans accumulés, de travail de nuit, ben des caractères joyeux, joyeux, jovial. Anyways. Moi, je vous dis, le verbe c'est hydrater. Hydrater. H-Y-D-R.
AT, Z. Non, hydrate. ER, se hydrater. Anyways, comme je vous ai dit la première fois là, que vous avez vu, moi là, je suis le meilleur après le deuxième du Québec en orthographe. Je suis le premier du dernier après le dernier en grammaire, mais après ceux-là du milieu de la moyenne qui sont 60 et moins. Je ne peux pas vous parler de moyenne, ma moyenne de grammaire, puis comment je suis. Tout ça, là, vous l'avez entendu. C'est hydraté. L'important du verbe, c'est que vous devez prendre de l'eau. L apostrophe de l'eau. E-A-U. E-A-U. De l'eau! De l'eau, de l'eau, de l'eau! Buvez de l'eau! Buvez pas de l'eau du fleuve, par exemple. L'eau du fleuve, c'est pas bon. Comme vous voyez celle-ci, là. Un gros verre d'eau. D'habitude, un extra verre d'eau comme ça, que d'habitude. On a la canicule, les gens, ils restent dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Le climat, changement climatique, Québec, ça vient équatorial, équatorial, de l'équateur en bas au plus en nord, qu'est-ce qui se passe? On a cassé déjà 13 records au mois de juillet. On est le 30, on est le 29. On est le 29, le 30, on est le 29 juillet. Là. Le 29 juillet, pendant une seconde. La date de juillet, c'est 31 jours. C'est trop long. Ça. Je vais couper les jours. On est le 30 juillet. Demain, c'est le 31. On est le 30. On a cassé 13 records. D'après-demain, s'il fait chaud, ça va être le plus chaud juillet jamais. Ça va être le plus chaud été jamais au Québec, à Montréal, sur l'île. Fait qu'on reste hydraté. Comment qu'on fait? On respire par le nez à fond. Hein. On repousse. Puis, on reste immigrant, très québécois. On s'entend. Pas de la bière, là, de l'eau. Là. Pas de l'eau. Sans rien. On a bu la moitié, là, on va faire une chanson. C'est hydraté, car il fait chaud. C'est hydraté, car il fait chaud. Sur le cheval, on monte en haut. C'est hydraté, car il fait chaud. Sur le cheval, on monte en haut. Sur le Mont-Royal, on voit les migrants très québécois en buvant l'eau. Sur le Mont-Royal, sur le Mont-Royal. Sur le Mont-Royal, on boit l'eau en descendant et en montant. Comprenez un peu l'idée, là? Le verbe s'hydrater. Je m'hydrate. Tu t'hydrates. Il s'hydrate. Nous hydratons. Vous vous hydratiez. C'est un beau verbe, apprends-le par cœur, récite-le avant de te coucher un couple de fois. Là. Même si tu as 50 ans, là, 50, 40, n'importe quoi. Mais c'est un millénaire. Un millénaire. Ça veut dire qu'il a été né après 1982, quelque chose comme ça, 82, 80, 1980. Le millénaire, c'est quoi? 1980, plus jusqu'à quoi, 91, 92, quelque chose comme ça, là, 12 ans, whatever. Fait que, intergénérationnel, on s'hydrate. Je lance la campagne officielle du immigrant très québécois pour le mois de juillet, fin juillet, qui reste de 2 jours, aujourd'hui, cette nuit, demain, 31. Fait que, on va commencer en août. Le mois d'août, on s'hydrate. Le mois d'août, on s'hydrate. Le mi-septembre, c'est l'été, là, puis l'été indien, là, fait que ça peut, on s'en rentre des fois en octobre, là, début d'octobre, avec un coup de punch de l'été.
Anyway. L'important, c'est pas vraiment de comment tu vas épeler le verbe, même si tu fais des erreurs de grammaire, pas comment, pas n'importe. C'est la pratique. Et pour se comprendre, c'est la pratique. Bon. Fait que, c'est pas beaucoup, là. T'es capable? T'es capable. Si moi je suis capable, toi t'es capable. Ah ouais, non. Et voilà. Pardon l'eau. C'est sa faute. Mais c'est pour la santé. Hein. Je m'excuse. Écoutez. Pas de politique correcte. Succès. Laissez-moi savoir comment ça va vous. Hydratation. Vous hydratez, nous hydratons, vous hydratiez, il s'hydrate, nous hydratons, nous allons, vous y allez, puis on conjugue. C'est pas l'important la conjugaison. L'important, c'est la pratique pour notre santé individuelle et collective. Qu'on soit. T'sais. Mesdames et messieurs, je vous embrasse, je vous bénis. Comme d'habitude, l'immigrant très québécois avec la soeur qui habite en Transylvanie vous bénit. Je vous bénis pour la santé, restez hydratés, je vous bénis, bra-bra-bra-bra. Immigrants québécois, ils disent, ils viennent boire de l'eau, puis demain, vous allez voir la belle province. Probablement.